Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien. Vous m'avez entendu, j'ai un petit peu bégayé, j'ai cru que je m'étais trompé, mais non, on est bien vendredi 16h. Ça faisait très longtemps que je ne vous ai pas sorti d'épisode du Skyblock. J'en suis désolé. Bienvenue cette fois-ci, on rattaque sérieusement avec ce 19ème épisode. On va les enchaîner les épisodes, ça y est. Veuillez m'excuser, mais c'est parce que j'ai fait euh, des trucs en off que je vais vous montrer. Et puis surtout parce que, ben, bah, en fait, euh, je commençais un petit peu euh, à. Bref, j'ai eu besoin de faire un petit break avec cette série, mais me revoici de retour, on approche bientôt de la fin de la série, c'est plutôt plaisant, depuis tout à l'heure je suis à FK euh, devant, euh, devant euh, cette euh, tour à mobs hein, pour euh, essayer de récolter un maximum de choses. Je vais vous montrer les amis pour cet épisode ce que j'ai fait en off, et euh, ça va nous aider justement pour voir qu quel objectif il nous reste à faire, et donc vous allez voir méthodiquement euh, comment ça va se passer. Alors premièrement, regardez, il n'y a plus de coffre, voilà, j'ai tout dégagé, en fait j'ai tout mis en haut, c'est ça ce que j'ai fait, en fait euh, le, le plus chiant à faire, je vais vous montrer. On va prendre cette petite citrouille qui vient de pousser, on va récolter euh, un maximum encore de. Non, je voulais pas la mettre sur la tête, hein, personnellement. On va récolter un maximum de euh, d'agriculture, je ne sais pas si ça se dit. Bref, de blé, on va récupérer un maximum, pareil pour la canne à sucre. Euh, et on va tout simplement monter. On prend encore le melon et je vais vous montrer comment ça se passe. Vous allez voir, donc là il y a toujours euh, de la cobble. J'en ai même pas miné en off, voilà, je tiens à vous le dire. Donc euh, je vais pas vous mentir à faire genre que j'ai miné en off et tout. Non, il y en a encore assez, donc euh, pas la peine. Nous montons, alors déjà, première chose, j'ai rajouté tous les escaliers qu'il fallait, parce que là, en fait, euh, pour ceux qui avaient remarqué, il y avait des blocs, à chaque fois, il fallait sauter euh, quelques blocs, alors c'est un petit détail qu'on s'en fout, mais voilà, je tenais à vous le préciser. On arrive en haut, là, il y avait un coffre, il n'est plus là, il y a, il y a toujours cette arbre d'ailleurs qui pousse, attention, voilà, nous avons notre petite maison, euh, alors oui, ah, faut mettre des blocs de verre, attendez, il me semble que j'en ai encore, hein. il me semble que j'en ai encore, je vais vous montrer et vous expliquer mes rangements, yes, j'en ai encore trois tout pile, est-ce que j'ai le droit de les poser ou j'en ai besoin pour autre chose non, je crois que j'ai le droit de les poser. Ah, mais non, mais c'est des vitres... Euh, c'est des glass planes. Donc, j'en ai quand même pas assez. Bon, c'est pas grave. Euh, donc, on va pas utiliser. Hop. Alors, au niveau des rangements, alors là, j'ai mis mon, mon petit lit tranquillement. Faudra d'ailleurs que je dorme ici parce que j'ai pas encore save. Enfin, c'est-à-dire que si je meurs, je réapparaîtra pas là. Euh, ici, on a un coffre avec euh, toutes les ressources des mobs. Donc on va faire ça tout de suite d'ailleurs donc le tout ce qui est string rotten flesh gunpowder bone euh, tout ce qui est flèche euh, l'épée en or du pigman les spider eye la glowstone dust alors bon euh, pourquoi j'ai ça d'ailleurs la glowstone ah mais ça c'était dans le Nether, ouais bref tout ce qui est ressources genre le sucre tout ça ça vient des mobs ici petit coffre nourriture ok ici dans ce coffre il y a encore rien et je pense qu'il servira à rien mais c'est si jamais euh, je suis dans la galère ici c'est tout ce qui est précieux et important donc c'est-à-dire qu'ici on a euh, les laines, par exemple. Donc ça va nous aider pour les objectifs, justement, vous allez voir. Ici, c'est pour faire les citrouilles. On va faire ça dans cet épisode en plus, d'ailleurs. Donc l'objectif qui est de euh, crafter 10 golems de neige, on va le faire. Et donc tout ce qui est euh, blé, euh, mushroom, sable, tous les, toutes les petites ressources un petit peu euh, qu'on doit garder. Euh, pareil pour les colorants, vous voyez Ça, on pourra faire des colorants, le cactus, tout ça. Bref, le sodo, évidemment. Donc tout ce qu'il ne faut pas perdre. Et ici, c'est euh, le foutoir. Mais le foutoir bien organisé. Hein. C'est-à-dire qu'en haut à gauche, il y a tous les blocs. En haut à droite, c'est les escaliers, tout ce qui est décoratif. En bas à droite, bon bah voilà, c'est les petits trucs de bois, voilà. pioche en bois, euh, bol, ici tout ce qui est graines et, et arbres, et ici euh, un, peu, un peu du foutoir, mais c'est bien rangé, c'est bien organisé. En fin de compte, on n'a pas beaucoup de ressources, mais, euh, mais on se met plutôt pas mal, donc d'ailleurs les graines, on va les mettre ici, impeccable. Donc dans cet épisode, on va déjà faire, donc on va crafter 10 golems de neige, alors rappelons ici qu'on a les coffres objectifs, donc là on a déjà 10 green wool. Et ici, on a tout ce qu'il nous faut. Hein. On va pas refaire le tour, on en a déjà parlé dans le dernier épisode. Mais au niveau des objectifs qui nous restent, checkez la description, tout y est. Donc les derniers objectifs qui nous restent à faire. Dont celui de crafter 10 golems de neige. Donc c'est ce qu'on va faire. On va crafter 10 golems de neige. Il nous faut 10 pubkins, donc j'en ai euh, suffisamment. Euh, et euh, la neige, normalement, on en a assez également. Hein. En principe, euh, pour faire 10 golems de neige, il faut... En fait, il faut 2 blocs de neige pour un golem. Donc on fait 2 fois 10, ça fait 20. Donc c'est bon. Allez, on va les foutre ici. Ah. Alors, par contre, on, on part du principe que. Euh, J'ai une pelle, c'est bon. On part du principe que, malheureusement, on va faire en sorte que non. Mais si jamais les golems de neige meurent, pour quelconque raison, genre ils fondent ou je sais pas quoi, bah on part du principe que c'est bon, l'objectif est validé. Faut pas se foutre de la gueule du monde. Donc là, on va faire spawn les 10 en même temps, comme ça, on est tous d'accord. Je sais qu'à l'époque, donc euh, j'en avais fait spawn. Euh... Mais t'es sûr que c'est ça qu'il faut faire Oui, c'est ça qu'il faut faire. Euh... Oui, enfin, euh, dans les derniers épisodes, j'en avais fait spawn 2 et ils sont morts. Donc bon, on va, re on va recommencer à 0 pour pour le fun. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on est prêt, c'est parti. Petite euh, armée de bonhommes de neige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et c'est un objectif, les amis, de valider. C'est incroyable. On va faire la petite miniature. Hop, voilà, c'est la miniature de la vidéo. C'est quoi Impeccable. Bon, c'est peut-être pas la meilleure des miniatures. Attendez, on va se mettre comme ça. Hop, voilà, ce sera ça la miniature. Impeccable. On fait ça en direct. Donc là ils vont pouvoir se balader et mettre de la neige un petit peu partout, l'objectif est validé, je le supprime illico presto de ma liste parce que sinon je vais croire que je l'ai pas fait, hop ça c'est fait, impeccable, donc euh, il nous reste, alors en termes d'objectif, on, on va y venir très rapidement, il faut faire un petit lac, ce qui nous permettra en plus de cuire 10 poissons. Tu vois ça fera deux objectifs parce qu'il faudra faire de la pêche. Faut crafter 10 bibliothèques, mais pour ça il nous faut du cuir et de la canne à sucre La canne à sucre c'est bon, c'est en train de pousser en bas, mais pour le cuir en fait ce qu'on va faire, là on continue de récolter un maximum de blé, etc. Et au bout d'un moment, là très prochainement on va tout enlever, on va laisser de l'herbe et on va on va voir, normalement les, les vaches sont censées spawn dans l'herbe, je l'espère, sinon on est bien dans la merde. Et donc, euh, comme ça, on aura du cuir et on pourra faire les bibliothèques. Collecter des dizaines de perles, bon, bah ça, ça, ça vient au fur et à mesure. Crafter 10 black wool, 10 gray wool, toutes les, les laines de couleur, bah en fait, les laines, c'est avec les strings. D'ailleurs, regardez, on peut faire combien de laines là maintenant avec les. Oh ah, mais non, on a que ça Ah, ouais, c'est pas fou. Hein. Donc là, faut attendre que les araignées tombent, hein, malheureusement, vous voyez. Donc là, ça fait quoi Ça fait 7 euh, laines. Donc après, il y a tout ce qui est colorant. Donc là, on a déjà colorant jaune, colorant rouge, avec le cactus. Bah, le cactus, c'est fait en fait. On a la green wool qui a déjà été faite. Mais je crois qu'en combinant green wool plus euh, bonne mille, ça fait de la, de la lime. Enfin, de la lime. Enfin, bref, tout ça, quoi. Donc, euh, tout, ces truc là Bref, c'est du délire, c'est génial. On va refoutre ça ici. Donc, voilà, ça c'est fait tranquillement à la cool. D'accord euh, La canne à sucre, ça va ici. Le blé aussi. Donc, le blé, on n'en fait pas du pain. Ce sera si jamais, je l'espère, les vaches spawn. Comme ça, on pourra les faire reproduire. Comme on n'aura plus de plantation de blé, il faut qu'on se préserve là-dessus. Impeccable ça c'est fait Alors les amis, qu'est-ce qu'on va faire du coup C'est assez terrible, puisque là on est plutôt pas mal. Euh, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, on va faire le lac. D'accord? Je pense qu'on va faire le lac. Parce que là, clairement. Euh, clairement, clairement. Alors, il y a un petit problème, c'est que le lac, je peux pas le faire ici. Parce que si je fais un lac ici, l'eau elle va geler. Vous voyez, on est à la hauteur 119. On le sait, hein. On le sait qu'à cette hauteur, ça va geler. Donc le lac, il n'y a pas le choix, faut qu'on le fasse en bas, en fait. Voilà, je viens de me rendre compte, il n'y a pas le choix, faut qu'on le fasse en bas. Euh, on considère un lac. Alors, toi, tu rentres pas dans ma maison, par contre, frérot. Hein. Clairement, tu rentres pas dans ma maison. On va considérer comme lac euh, là où on peut pêcher un poisson. D'accord Donc, ce qu'on va faire, on va faire une canne à pêche d'ailleurs. Vous savez quoi Eh ben, on a tout pile assez de ficelles. C'était pas prévu. Alors, j'ai des sticks ici. Normalement, alors je sais plus comment on craft. Hein. Ah non, il faut 3 sticks et juste 2 deux, euh... deux ficelles comme ça, il me semble. Hein. Yes, impeccable. C'est la première fois que je crafte une canne à pêche. Hein. <laughs> Clairement, euh, non, on va pas commencer à foutre le bordel dans les coffres. Ça va ici. Ok. Donc déjà, ce qu'on va faire, et on va prendre le seau d'eau. Voilà, et on va descendre tranquille, pilou. On va descendre. On va faire gaffe de pas mourir, évidemment, parce que là, on a quand même la ressource la plus importante du Skyblock, à savoir le seau. Et on va voir pour faire un lac. D'abord, j'aimerais faire une petite expérience sociale. Notre petite source d'eau infinie qui est juste ici. regardez là, elle est magnifique. Est-ce qu'on peut pêcher du poisson là-dedans Vous pensez en principe non, mais on peut toujours essayer. Non, de toute façon la canne à pêche, elle va, elle va remonter, tu vois. On va voir, hein. Il y a peut-être moyen, hein. attendez, si je me mets... Hop Regardez. Ouh, là je suis sûr je vais pêcher du poisson. C'est une expérience sociale, ça dure quoi À tout casser une minute maximum. On attend une minute, on voit ce qui se passe. Si on arrive à pêcher un poisson, franchement, <laughs> moi je dis pouce bleu. Hein. <laughs> Est-ce que vous pensez qu'on va choper du poisson Je vous mets un petit sondage en haut à droite. Vous me dites... Si vous pensez que oui ou non, on va pouvoir pêcher du poisson ou pas. Et bien évidemment, on va faire un, un lac. Hein, parce qu'à mon avis, je pense pas que ce sera possible. Quoique, on sait jamais. Le soleil va, va se coucher, donc on va dormir en haut. Hein. On va remonter. Je sais qu'on fait des allers-retours, mais il faut absolument. Putain, on a chopé un poisson On a chopé un poisson Non, mais on va quand même se faire un petit lac euh, en cobble. Parce que sinon, euh, l'objectif sera pas validé. Bon, bah, du coup, on peut pêcher du poisson là-dedans, hein, si jamais. Si jamais ça vous intéresse, donc il suffit juste de faire quatre blocs, quatre euh, blocs d'eau et vous pouvez pêcher du poisson, voilà. <laughs> c'est génial. Donc l'objectif va être fait dans cet épisode également. On va faire trois, eh, objectifs dans cet épisode au total. Hein. Moi je vous le dis. Hop, je le mets ça, je le mets là, pardon. Et on va dormir du coup et on va se faire un petit lac. Alors, comme je l'ai déjà mentionné, on pourra pas faire un lac super stylé euh, avec de l'herbe et tout, hein, parce qu'évidemment la terre c'est quelque chose qu'on a seulement euh, en bas là quelques blocs. Pour les plantations, donc on va pas pouvoir faire les coups. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment se faire un, un, un grand espace. D'ailleurs, vous savez quoi Ce qu'on pourrait faire, en fait, c'est qu'on pourrait exploiter euh, cet endroit parce qu'on s'en fout maintenant des champignons. On en a plus besoin. On a fait l'objectif des champignons. Ce qu'on pourrait faire, du coup, c'est euh, c'est ici faire un lac. Utiliser cet espace pour faire un lac. Qu'est-ce que vous en pensez Étant donné qu'on a déjà en plus des blocs vers le bas, ouais, bah on, va, on va faire ça, les amis. Vous savez quoi de toute façon, c'est plus une ressource importante le champignon, on peut le casser. La terre, alors la terre, on va, on va tout faire pour la récupérer. Si on peut gratter quelques blocs de, de terre pour avoir plus d'herbe et pour pouvoir faire spawn des vaches, franchement, on dit pas non. Donc, très clairement, on va faire en sorte de la récupérer. Vous allez voir comment. Technique de PGM. Hein. Technique de PGM, on va foutre de l'eau ici. Ok. Alors, on va éviter de, de tomber dans le vide. Et on va tout simplement casser. Non, ça marchera pas comme ça. Ça marchera pas comme ça. On va d'abord... Ah mais attendez c'est bon. En fait... Je viens de réaliser... Oh merde. Oh putain j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais cassé... Euh... J'ai perdu de l'eau. Mais c'est pas grave. J'ai cru que j'avais cassé... Euh... Bah, mon seau en fait. Mais c'est bon. Donc ce qu'on va faire en fait les amis... Attends je sens que je vais crever donc dans le doute et hey, tu c'est sais quoi C'est un plan foireux mais je sais ce qu'on va faire. J'ai été bête. On va juste foutre le... dans ce coffre le seau. Comme ça on est sûr que si jamais.. <laughs> tu vois, genre mieux vaut être trop... On est jamais trop prudent, les amis. Surtout avec un boulet comme moi. Mais en fait, il y a un bloc juste en dessous de la terre. Donc on peut creuser sous nos pieds. C'est un truc à ne jamais faire sur Minecraft. Hein. Mais si... Ouais, il y a un bloc en dessous. Donc en fait, je peux me mettre là. Et je vais casser le bloc. Voilà, je l'ai récupéré, crème. Et là, il y en a un autre. Juste ici. Franchement, on dit pas non, tu vois. Genre deux blocs de terre, putain. Euh... Alors là, par contre, je sais pas s'il y a un bloc en dessous. Donc on va pas faire. Ouais, il y a un bloc en dessous, c'est bon voilà ah tu vois là on a quand même gratté deux blocs d'herbe enfin deux blocs de terre donc euh, deux blocs d'herbe potentiellement donc euh, ça va quand même favoriser les chances de faire spawn des vaches vous voyez ce que je veux dire c'est très important donc je vais foutre ça là hein. on va pas prendre de risque et donc là ce qu'on va faire du coup les amis c'est que euh, on va faire le terrain donc déjà on va tout euh, aplatir donc on va enlever on va éviter de tomber on va enlever euh, tous les euh, tous les trucs euh, au dessus là euh, supérieurs toutes les slabs là comme ça de manière à lisser le, le bordel. Et en fait, faudra même pas reboucher. Je suis bête. On va pas reboucher parce que tout, tout simplement, on va foutre l'eau en dessous. Tu vois ce que je veux dire Mais je suis bête pour faire un lac. On va faire ça. Regardez, on va tout, voilà, on va tout casser. Hop. Et en fait, on va mettre à la hauteur, genre voilà, comme ça, tu vois. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc ça fera un lac qui sera en profondeur de, de deux blocs hein, tout simplement. Mais au moins ce sera un petit lac et l'objectif sera validé. Hein. C'est juste pour accomplir l'objectif à vrai dire qu'on fait ça les amis. Parce que franchement, rien à foutre de faire un truc beau. En plus on peut pas avec les ressources qu'on a. Donc voilà. Bon on va pas faire un truc carré, donc là je fais des petites formes plutôt, euh, voilà, histoire de dire que. C'est juste pour accomplir cet objectif. Et qu'on soit plutôt pas mal. D'accord. Hop, pareil ici. C'est pas ici que je vais me baigner euh, très clairement, mais voilà. Et là, il a plus qu'à foutre de l'eau. Hein. Vous voyez ce que je veux dire Il y a plus qu'à foutre de l'eau, les amis. Hein. Euh, bah c'est parti. Il y a plus qu'à foutre de l'eau, les amis. C'est euh, vraiment pas cosy, hein. euh, Clairement, euh... On, on en a vu des meilleurs. Hein. On en a vu des meilleurs, mais bon. Que voulez-vous Attends, on va enlever ces blocs en haut aussi là, parce que vraiment c'est moche. Attends, je peux le faire de là Yes, je suis assez grand. Ah, bah, c'est bon, j'ai encore une pioche. As... Heureusement, j'ai pensé à tout avant de commencer cet épisode pour une fois. C'est sympa. Hein on apprécie. Hein on apprécie mon talent. Est-ce que je peux atteindre ce bloc Yes, cool. Impeccable. Ok. Donc là, on va foutre de l'eau. Tu vois, genre, on va foutre de l'eau là. Oh, ouais, ça, c'est cool. Oh, ça, ça, c'est. Bon. <laughs> Donc là, on va faire euh, tout plein d'allers-retours à, à la source d'eau infinie pour, euh, pour foutre de l'eau. Tout simplement. Tac. On va en foutre dans chaque coin comme ça. Faut que j'arrête. C'est quoi Voilà, je vais enlever les torches de là, de maman, parce que chaque fois j'arrête pas de les déposer sans faire exprès. What Putain, c'est vache. Eh, le shader il, il fait bugger un peu, c'est incroyable. Hop. On fout dans tous les coins. C'est euh, très palpitant, hein. on, passe un, on passe un bon moment, mais c'est pour accomplir l'objectif du lac. Bon, déjà pour les poissons c'est bon, c'est validé, on va le faire aussi dans cet épisode. Donc, résumons cet épisode. On est à même pas un quart d'heure de vidéo, vous vous rendez compte On a déjà accompli un objectif, qui est celui des 10 golems de neige. Là, on est en train d'accomplir l'objectif de faire un petit lac. D'accord Et puis après, on va pêcher, et donc on cuira euh, 10 poissons. Il faudra pêcher 10 poissons puis les cuire. On en a déjà un. Et donc, on aura accompli l'objectif de cuire 10 poissons. Et donc, on aura fait 3 objectifs dans cet épisode. Je pense que c'est plutôt euh, plutôt intéressant. Hein. Euh, je sais pas ce que vous en pensez. On va foutre de l'eau ici. Voilà, ça va commencer à faire quelque chose. Hein. Ça va commencer à faire quelque chose. Hein. En fait, le mieux, ça aurait été que je ramène une source d'eau infinie directement là. Ah, mais quoi que là, j'ai déjà une source d'eau infinie. Attendez. Si je prends l'eau là. Non? Non, elle est pas infinie là. Allez, je pensais qu'elle était infinie, attendez. Petite technique, je pense que là je vais la rendre infinie, attendez. Comme ça, ça nous évitera de faire des allers-retours. Si je la mets là au milieu. Et que je fais ça. Yes, là elle est infinie, regardez. Ah non, pas du tout. Elle n'est pas du tout infinie, hein. Un peu dégoûté. Bon, c'est pas grave. Hein. Euh, C'était la, la perte de temps pour rien. <laughs> c'est pas grave. Bon, je pensais que j'avais réussi à la rendre infinie. Alors, le problème, c'est que cela qui est vraiment nul. Hein. Mais jusqu'au bout. Ah, si, au milieu, ça va se remplir. Ça va se remplir au milieu. Faut juste mettre tous les coins. Ah, c'est quand même plus simple en créatif. Hein. On va pas se mentir. Ah, c'est sûr. Hein. C'est sûr, c'est sûr. On passe un meilleur moment en créatif. Attends, là, 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 c'est bon ici, là, à peu près. Oh putain, elle tombe pas juste. Par contre, là, au milieu, j'aime pas du tout. Il y a un trou. Donc, hop. Je suis content, n'empêche de l'expérience sociale que j'ai essayé avec le poisson. Je ne suis point déçu. Alors, si je mets de l'eau là, il se passe quoi Il se passe que c'est de la merde. Alors que si maintenant, je la mets là. Ah bah ça fait une petite fontaine, hein. C'était pas du tout fait exprès, mais j'aime bien. Eh les amis, c'est vraiment la, le pire lac du monde. C'est vraiment fait à l'arrache. C'est même plus une fontaine qu'un lac. Mais bon, hein. Est-ce qu'on peut pêcher du poisson là-dedans On va essayer. Si je peux pêcher du poisson là-dedans. Et eh ben euh, ce sera plutôt cool. On va voir. Eh, on va voir. On va voir ce qui se passe, les amis. Si j'arrive à pêcher un poisson, le lac sera validé. Et on pourra... Enchaîner avec l'objectif des poissons. Et c'est bon, on va pas chipoter, hein, les amis. Hein. Je vous vois venir en commentaire. Ah, oh, mais c'est pas validé, c'est mot Mais, eh. Hey. <laughs> on est en skyblock, on a, que des, des, on a que de la cobble à disposition. J'ai une flemme, pas possible de faire un lac. Surtout avec de la cobble. Donc, euh, clairement. Euh... Hop Ah, mais ah oh, oh non, il est tombé. Ah, ça c'est con. Faudrait reboucher les côtés. Attendez, on va reboucher. Euh... Il y avait un nénuphar. Oh, je suis deg. Je voulais trop le nénuphar, moi. J'adore les nénuphars en plus bon, Tant pis Voilà on rebouche ici Comme ça pas de risque de chute Bon bah on recommence bon, en tout cas ça marche hein. on peut pêcher des poissons Ah j'ai quand même réussi à récupérer un nénuphar Alors que je suis au 7ème ciel hein. Moi si je peux me permettre il euh, y a quand même des incohérences hein. bon, C'est comme les poissons qui apparaissent dans 4 blocs de Il <laughs> bon, y, y a quelques incohérences Hop Un deuxième poisson Et eh bah ben, vous voyez mon lac il est validé Il vient de plus vite On recommence Bon, du coup, en attendant, je vais rayer l'objectif de faire un petit lac. Donc, il sera encore en description. Hein, comme dit, c'est épisode après épisode que ça disparaît. Donc, comme ça, dans, dans la description, vous pouvez retrouver tous les objectifs qui restent. Et dans le prochain épisode, les objectifs qu'on aura réalisés dans cet épisode, ils auront disparu. Donc, à savoir euh, faire un petit lac et euh, faire 10 golems de neige. Hop, troisième poisson. Alors je dis troisième hein, même si c'est écrit 2 c'est parce qu'on en, enfin, en a déjà un en haut hein, je, je, je rappelle quand même Par contre je trouve que c'est vachement rapide la pêche je sais, pas, je sais pas ce que vous en pensez Alors je sais pas si c'est la... Je, on est en 1.12.2 alors je sais pas si ça change quelque chose Ou si c'est vraiment le fait que mon lac il est génial <laughs> Mais franchement euh, je sais que euh, en 1.13 sur Madventure je, je prends 30 ans pour pouvoir pêcher la moindre petite merde Hop Oh putain Pardon excusez moi ça c'est cool ah mine de rien, ça fait plaisir. Une petite ficelle là par-ci par-là, euh, en pêchant, euh, je vais pêcher plus longtemps. Hein. J'aurais dû faire le lac à côté de la salle à mob, au final. Hein. Comme ça, ça aurait été euh, encore plus rentable. Bon, c'est pas très grave. Le soleil se couche. On passe un bon moment. Écoutez les amis, euh, je peux vous raconter plein d'anecdotes devant ce, ce magnifique soleil et en, et en pêchant. Voilà. Passionné de pêche, c'est moi. M. colo Hop, un nouveau poisson. Quatrième poisson. Oh c'est un autre. Regardez. Oh, il est beau. Euh, attends par contre il va y avoir des mobs qui vont spawn Donc on va vite oh Ah mais ils peuvent pas spawn De toute façon on est sur des demi-dalles Normalement on est sur des demi-dalles Ils peuvent pas spawn on est d'accord eh, Dans le doute regardez Dans le doute je fais ça d'accord Non Voilà Comme ça on peut passer la nuit à, à pêcher tranquillement Bon les amis J'espère que vous allez tous très bien hein. Merci de suivre cette série hein, même, si, euh... <laughs> même si on approche de la fin C'est bien triste Quoi que après, euh, j'ai envie de dire, parce que le. Non, pas le pire est à venir, parce que franchement, il restera plus rien. Ça va être méga facile, il y a juste à attendre. Mais juste, ça va être un gros bordel euh, pour pouvoir avoir des vaches. Parce que j'ai peur qu'on n'y arrive pas. Bon, on va remonter, on a déjà pas mal de poissons. On a la moitié là. On a la moitié. On en a. Bah, on en a 5. A... Ouais, bah, c'est ça, 5, on a la moitié. Donc, on va monter tranquillement. On va faire cuire la moitié et euh, on va s'occuper de l'autre moitié dans un instant. Et c'est plutôt pas mal, hop, bonjour les golems de neige, ils sont toujours là, hein. ils sont toujours là, ah, il y en a un qui s'est barré, il y en a un qui s'est barré, alors, à tous les coups il est mort, attends, on va faire le tour de la propriété, à tous les coups il est mort ce con, <laughs> vraiment, ah non, il est là, il s'est, ah d'accord, lui il aimait pas, euh... ah lui, ah, eh, lui c'est la petite victime du, euh... du troupeau, bon, c'est pas grave, on va dormir, hop, on se met bien, tranquillement, à la coule posée et on va faire cuire euh, alors par contre ça va pas ensemble c'est chiant hein. c'est chiant on va faire cuire ça alors est-ce que j'ai du combustible j'ai des échelles écoutez on va utiliser des échelles vous savez quoi aujourd'hui je suis d'humeur à utiliser des échelles voilà la ficelle ça va ici le champignon ça va ici même si ça ne sert plus à rien euh, les slabs impeccables la pelle on la garde sur nous la canne à pêche aussi ah les flèches et puis on se met plutôt pas mal ah je suis content n'empêche Les amis je suis très content pour euh, cette histoire de poisson Je pensais que ce serait quand même Beaucoup plus galère que ça hein. Mais pas du tout Donc ça ça fait plutôt plaisir bonjour euh, L'objectif c'est bien cuire 10 poissons hein. Voilà c'est bien ça l'objectif Donc là voilà je viens d'en cuire 5 3 plus 2 5 bravo vous m'avez suivi les amis On va les mettre euh, bah, On va les mettre ici vous savez quoi Pour le moment voilà Donc là on a la moitié on a les 5 Donc il nous en faut encore 5 d'accord on est parti. Euh, bah on est parti indirectement. On ne perd pas plus de temps. On va passer par la salle à mobs aussi pour récupérer les loots. Enfin, l'usine à mobs là. On va récupérer les loots tant qu'on y est. Donc, pour avoir un maximum de, de ficelles. Hein. L'objectif c'est d'avoir un maximum de ficelles. Franchement, tout ce qui est bonne mille et tout. Euh, bon bah, on en a déjà beaucoup. Donc est-ce que c'est nécessaire euh, On dit pas non. Mais moi ce qui m'importe le plus c'est les strings, c'est les ficelles. Et euh, voilà. Le problème c'est que c'est plus rare. Regardez, vous voyez. Y en a aucune. Ah si y en a qu'une, regardez. Voilà. On vient d'en récupérer qu'une seule. C'est dommage hein. C'est dommage. Bon on va retourner du coup pêcher. Tranquillement. On va récupérer aussi là ce qui vient de, de pousser. Les citrouilles, ça sert plus à rien. Hein. Mais on va récupérer quand même. De toute façon on, va tout, on enlèvera tout. Si c'est pas dans le prochain épisode, ce sera dans celui d'après. Mais moi je pense que dans le prochain épisode on enlève toutes les plantations, d'accord Clairement euh, là, euh, la fin de la série, elle est... Non mais arrête de te mettre sur ta tête Clairement, la fin de la série elle est, elle est annoncée. Je sais plus, j'avais dit combien. Euh, j'avais fait des pronostics. Si vous vous en rappelez, dites-le moi en commentaire. Je sais plus quel pronostic j'avais fait. J'avais dit oui, euh, je pense que la série se terminera avant euh, l'épisode euh, temps et temps. Mais je sais plus c'est lequel. Donc euh, voilà. Je ne sais plus du tout. Si vous vous rappelez, vous me dites. Pareil, hein, faites vos pronostics en commentaire. Vous pensez que la série elle se termine quand Dites-moi euh, dites tout. Non, remets une torche. <laughs> je t'ai pas demandé, euh, d'accord et on est reparti pour pêcher, on va voir si on peut trouver des petits trésors, c'est hein, sait jamais. Alors genre les ficelles c'est cool. Hein. Bon, moi ce que je veux c'est du poisson, mais si on peut trouver je sais pas genre euh, du fer. Vous imaginez du fer Je sais pas si c'est possible. Je me demande si c'est possible de, euh, de choper du fer euh, en pêchant. Je sais qu'il y, y a tout sur le Wikipédia de Minecraft, mais... Euh... Franchement je ne, je ne sais plus. Enfin je ne sais pas en fait. Mais ce serait vachement stylé. Ça serait vachement stylé. Ah, y a des bulles qui arrivent, non je crois bien. Hop Oh, on peut faire fish On est d'accord que c'est un poisson, ça Ouais, on peut le faire cuire. Je sais pas si on peut le faire cuire. Bon, de toute façon, dans tous les cas, on continue, mais... Je sais pas si ça se cuit. Ouais, parce que, rappelons que quand la map a été créée, il euh, y avait qu'un qu seul type de poisson à l'époque. Hein, donc c'était pas compliqué, hein, euh, les 10 poissons, hop. Alors que là, il y a plusieurs types de poissons, ça c'est compliqué. Et encore, on n'est pas en 1.4... On n'est pas... même pas à 1.13, hein, donc il n'y a pas non plus euh, encore tous les... Par contre arrête de te faire entraîner s'il te plaît. On passe un bon moment, hein. le soleil est où il est là-bas. Ah Hop Voilà, un nouveau poisson. On continue, on se met bien, tranquillement, abonnez-vous à ma chaîne, j'en profite, voilà pour faire ma petite promotion. Eh les amis, vous savez quoi, tant qu'on y est, qu'on est là, qu'on parle de, de rien, à vrai dire. J'allais dire on parle de tout et de rien, mais en fin de compte, là je on parle de rien, on sent un petit peu chier même. N'hésitez pas les amis à me suivre sur Twitter. Il est dans la description. C'est @mcolo pas un fake. Alors c'est pas des conneries. Hein. Je sais bien que un nouveau passage. Je sais bien que si mon pseudo c'était euh, mcolo5 ça aurait été plus simple. Le problème c'est qu'il est déjà pris. Donc c'est pas moi mcolo5. Moi c'est mcolo pas un fake du coup. Voilà, j'avais pas le choix. Donc c'est moi. Suivez-moi. Pareil Instagram. Sur Instagram par contre c'est mcolo5. Là c'est bien moi. Mais tout est dans la description comme ça vous êtes sûr. Donc n'hésitez pas à faire un tour, à me follow euh, sur tous les réseaux. J'organise des concours les frérots donc euh, voilà franchement euh, allez-y. Et puis euh, mettez-vous bien quoi. Et puis surtout je vous annonce des petits trucs, je vous fais des... Voilà, je vous tease un peu euh, des, des trucs. On continue. Donc là on a quoi On a deux, trois, quatre. Donc il, en... il faut encore un poisson là. Après le fiche. Euh, je sais pas si ça se cuit. Donc dans le doute... Dans le doute on va on va continuer encore euh, deux poissons là. De toute façon ça va méga vite alors. Hein. J'ai l'impression qu'en fait toutes les 10 secondes il y a un nouveau poisson donc... Euh... c'est plutôt pas mal. Non mais je crois que le pufferfish ça se cuit. Ah oh putain, j'ai pas été assez rapide! Ah, oh, j'ai pas été assez rapide! Je suis C'est pas grave. Juste attendre 10 petites secondes. De toute façon, les poissons ils vont. Hop! Oh, de la chair putréfiée, génial, j'adore. <laughs> j'adore, là je. Je m'attendais quand même à mieux que ça, mais bon. Ouais, bah. Bon. C'est pas grave. Hein. Allez, un petit poisson pour le cinquième. Ça arrive, ça arrive. Hop Yes. Alors par contre, du coup le peu faire fiche, je sais pas si ça se cuit comme dit. Donc on va on va pêcher encore une fois. Comme ça au pire ça fera 11 poissons au lieu de 10 hein, et, et ça va, mieux vaut plus que pas assez comme on dit. Aïe, je me suis cogné totalement. Ça y est, ça arrive. Pas du tout. Allez, je commence à être impatient. Je vais pas vous mentir. Allez, come on, come on. Voilà, là comme ça on est sûr que l'objectif est validé. Donc on va passer de nouveau, euh, on va juste vite fait check euh, la salle la à si jamais il y a des trucs qui sont tombés. Attends, on regarde de loin. Là on peut pas encore voir de toute façon. Est-ce qu'il y a des loots Cher putréfié. Il y a pas de ficelle. Hein. Putain, il y a aucune ficelle. Hein. Franchement, pas cool du tout. Bon, donc on remonte à notre petite maisonnette. Merci hein, d'ailleurs euh, pour vos retours à propos de cette maison hein, que vous m'avez laissé en commentaire dans, dans le dernier épisode. C'est vrai que du coup, ben... J'ai oublié. J'ai oublié de faire, de faire part de vos retours. Enfin de répondre à vos commentaires, du coup, comme ça fait longtemps. Mais euh, je les ai lus et donc euh, merci pour, pour vos retours du coup. Hop, on va voir d'ailleurs donc, est-ce que le pufferfish ça se cuit C'est une question que je me pose. Eh ben non. Le pufferfish ne se cuit pas. Donc j'ai bien fait d'avoir pêché plus de poissons que prévu. Voilà, l'objectif se valide. Le puffer fiche des. Tu sais quoi, on va le manger. Ah merde. Oh, mais je suis trop con. Oh non, le pire truc. Le pire truc. Je vais crever. Ah non, je suis en easy, je peux pas crever, non Oh non. Oh non, je suis en easy, c'est bon, donc je meurs pas. Oh, oh là là. Attends, en ferme la porte, j'ai pas envie d'être dans la merde. Ok, bon, tac. À part ça, l'objectif se valide, hein. Je vais les rayer de ma liste directement. Cuire 10 poissons. L'objectif est officiellement dans 3, 2, 1, validé C'est bon, on est bon Les amis, nous avons le compte. 6 plus 4, ça fait 10. On est bien d'accord. On est sur la même longueur donc. Dans la même longueur d'onde Donc nos 10 poissons sont bel et bien cuits Donc les amis on va s'en arrêter là pour cet épisode J'espère que je vais pas crever là normalement c'est bon il me reste 10 secondes de poison J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu On aura accompli trois objectifs bordel On se retrouve pour Deux prochaines vidéos pour le prochain épisode La semaine prochaine, vendredi prochain je l'espère Si tout se passe bien euh, Il nous reste plus qu'à crafter 10 bibliothèques Faire quelques types de Enfin euh, bref les, les colorants là, les, les couleurs pour les 10, euh, 10 wools et crafter 20 tableaux. Voilà, en fait, euh, c'est tout quoi. Tout simplement. Et les dizaines d'heures perles. Bon, voilà, tranquille. Bref, gros pouce bleu pour m'encourager gros pouce bleu pour la suite. C'était MColo. Merci à tous de m'avoir suivi. Ciao à tout le monde